Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le président de transition du Gabon est arrivé en Côte d'Ivoire aujourd'hui pour une visite de travail et d'amitié. Il a été reçu par le président Alassane Ouattara au palais présidentiel. Ensemble, ils ont évoqué plusieurs sujets, notamment la coopération économique et les investissements bilatéraux. Le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire continue de faire des heureux. La première dame, Dominique Ouattara, avec le FAFCI, permet aux femmes d'assurer leur autonomie financière. Ce jeudi, à Songon, elle a annoncé un fonds additionnel de 200 millions de francs CFA pour créer et booster les activités de ces femmes. Nous sommes le 11 avril aujourd'hui, 13 ans après la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire renaît de ses cendres. Le pays a tourné la page sombre de son histoire pour amorcer le développement. Dans le dossier politique de ce 20h, la parole est donnée aux populations. Comment ont-elles réussi à passer l'étape de cette crise post-électorale? Réponse tout à l'heure. L'axe Yamoussoukro-Kiev se renforce. L'Ukraine a ouvert les portes de sa toute première représentation diplomatique en Côte d'Ivoire. Une inauguration faite par le représentant spécial pour le Moyen-Orient et l'Afrique en présence du ministre délégué aux Affaires étrangères, Otabuna Ouattara. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le président de la transition du Gabon est en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Le général Brice Oligui Nguema séjourne depuis ce jeudi à Abidjan et il y sera jusqu'au samedi 13 avril prochain. Il a été accueilli, comme vous le voyez sur ces images, à son arrivée aujourd'hui en compagnie de son épouse par le vice-président Tiemoko Meliet Kone. Le chef de l'État gabonais a eu un entretien par la suite au palais présidentiel avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Voilà, au palais présidentiel, donc, le chef de l'État gabonais a eu un entretien avec le président Alassane Ouattara. Ils ont évoqué, entre autres, la coopération économique, les investissements bilatéraux, la sécurité régionale. La rencontre d'Abidjan, notez-le, intervient quelques mois après celle de Riyad en novembre 2023. C'était lors du sommet Arabie Saoudite-Afrique. Vivian Aimé. Arrivé ce jeudi 11 avril à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail de 72 heures, le président de la transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a été reçu quelques heures après son arrivée au palais présidentiel. L'entretien que lui a accordé le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, leur a permis de parler particulièrement de la situation politique au Gabon, notamment le retour à l'ordre constitutionnel qui se dessine. Pour rappel, c'est le 30 août 2023 qu'un coup d'État militaire avait mis fin à la légalité constitutionnelle dans ce pays et un comité pour la transition et la restauration des institutions a été mis en place, dirigé par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Depuis le lundi 8 avril, sous l'égide de ce comité, ont démarré les travaux du dialogue national inclusif qui réunit 600 participants politiques, religieux, militaires, sociétés civiles, en vue de préparer des élections en 2025. Monsieur le Président et chers frères, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette visite d'amitié et de travail que vous effectuez en Côte d'Ivoire, à Kouaba. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire et le Gabon entretiennent une excellente et fraternelle coopération depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1966. Cette visite est l'occasion pour nous d'échanger sur des questions d'intérêt commun. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Monsieur le Président, au cours de notre entretien, nous avons échangé sur la situation politique dans nos deux pays, ainsi que sur l'état de notre coopération bilatérale. Depuis 8 mois, le Gabon traverse une étape importante de sa jeune histoire, marquée par la transition politique en cours. La Côte d'Ivoire suit évidemment avec un grand intérêt cette évolution et se félicite des efforts que vous déployez pour retourner à la normalité constitutionnelle
Et je dois dire que nous apprécions le climat apaisé qui est donc la situation actuelle du Gabon. À cet égard, je voudrais vous réitérer mes félicitations pour la convocation du dialogue national inclusif au Gabon, auquel nous souhaitons un plein succès dans l'intérêt du peuple frère gabonais. La Côte d'Ivoire sera bien évidemment à vos côtés pour vous offrir nos conseils et partager avec vous notre expérience et les valeurs de paix, de concorde et de cohésion qui nous animent tous les deux. S'agissant de la coopération bilatérale, nous nous sommes engagés à intensifier davantage nos échanges économiques commerciaux, notamment dans les secteurs agricoles, miniers et énergétiques, parce que nous le savons tous, il y a une affinité spéciale entre les Gabonais et les Ivoiriens, et comme vous l'avez dit, le premier Gabonais à fouler le sol ivoirien date de 1906. Et nous avons de nombreux Ivoiriens qui résident et qui sont heureux de travailler au Gabon. Pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais vous réitérer mes remerciements pour votre visite en Côte d'Ivoire ainsi que les échanges fructueux que nous venons d'avoir. Je tiens avant tout à remercier mon aîné ici présent, le président Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour cette visite d'amitié et de travail qui aujourd'hui unit également nos peuples. J'en profite pour lui adresser mes sincères félicitations pour le succès de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations que nous avons tous vécu et dont les éléphants de Côte d'Ivoire ont été les grands vainqueurs de ce tournoi. Le Gabon et la Côte d'Ivoire sont des nations sœurs qui entretiennent des relations d'amitié, de partage, de coopération, une excellente coopération depuis 1966. C'est aussi pour moi l'occasion de souligner avec satisfaction l'implication de son Excellence Alassane Ouattara, autant que sa volonté constante de soutenir et d'accompagner le processus de transition en terre gabonaise. J'en ai surtout profité pour lui faire le point, le compte rendu des avancées du dialogue actuel à Libreville, dont il est très favorable du travail accompli, et merci. Eu égard à ce qui précède, je sollicite également l'appui, je dirais pas homologue, de mon aîné, ici présent, afin de plaider en faveur de la levée des sanctions de l'Union africaine qui pèsent sur le Gabon. Et je sais compter sur vous. Nos échanges ont également porté sur le renforcement d'une coopération sud-sud, qui passe par l'ouverture du marché gabonais aux entreprises ivoiriennes, dont l'expertise dans divers domaines est avérée. Ces échanges ont également permis de raffermir et renforcer les liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays. En outre, je salue le leadership du président Ouattara dans le domaine infrastructurel au regard des efforts consentis pour changer le visage de la Côte d'Ivoire et pour le bien-être des Ivoiriens. Enfin, cette tribune est également l'occasion de remercier le président Alassane Dramane Ouattara, doyen de la sous-région de la CEDEAO, pour le retour de mes frères d'armes et de leurs états au sein de la CEDEAO. Et comme je dis, il faut maintenant peut-être mettre en avant des bons offices pour qu'on puisse échanger et que ce soit pour le bien-être de nos économies et privilégier également l'intérêt commun de ces populations sur ces frontières. Et enfin, nous sommes heureux de cette visite aujourd'hui qui est porteur
d'espoir et de changement pour notre pays depuis le 30 août 2023. Le dialogue politique en cours au Gabon pour préparer les futures élections et la démarche entreprise ce jeudi 11 février par le président de la transition gabonaise illustre la volonté du général Brice Clotaire-Oligui Nguema de sortir le Gabon de l'isolement et lui redonner sa crédibilité dans le concert des nations. Le retour à l'ordre constitutionnel que prône infatigablement le président de la République Alassane Ouattara reste à l'épreuve de la réalité un élément essentiel et incontournable. Dans l'actualité nationale également, notez que le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, continue de faire des heureux. La première dame, Dominique Ouattara, permet aux femmes d'assurer leur autonomie financière en mettant à leur disposition des fonds pour créer ou booster leurs activités. Ce jeudi donc à Songon et dans le contexte de la célébration officielle de la Journée internationale des droits de la femme, la première dame ivoirienne a annoncé un fonds additionnel de 200 millions de francs CFA pour les femmes. Alexis Ouedraogo. Les femmes de Côte d'Ivoire mobilisées comme un seul homme ce jeudi dans la commune de Songon. Nous sommes très heureux de voir la première dame dans notre localité parce que la voyant, nous sommes convaincus que nos problèmes seront résolus. Pour la 47e édition de la Journée internationale des droits de la femme, la première dame Dominique Ouattara est accueillie en triomphe. Vous incarnez l'engagement envers la protection de la famille, de l'enfant, de l'autonomisation des femmes et la promotion de l'égalité du genre. La rencontre est l'occasion pour les femmes exerçant dans des secteurs clés de parader. Gendarmerie, armée de terre, de l'air, marine nationale, douane, enseignante, personnel du social et de la santé, productrice du vivier, mais aussi bénéficiaire du fonds FAFSI. Parmi elles, justement, Thérèse Adjoba. J'ai reçu un fonds de 100 000. Comme j'avais un peu d'argent sur moi, j'ai complété et j'ai payé, je me suis acheté un congélateur. J'ai commencé à faire mes jus. Et la clientèle était tellement débordante que j'ai réussi à payer mes 100 000. Après cela, j'ai demandé si je pouvais avoir encore un autre fonds. Et cela m'a été attribué. Aujourd'hui, je suis épanouie, je me suis prise en charge, mes enfants vont bien à l'école, mon mari est épanoui. À sa suite, Angèle Diro, la présidente des femmes de Songon, dit la gratitude des femmes de la commune. Vos actions ont un impact qui va bien au-delà des mots et des discours. Vous êtes un véritable modèle d'altruisme. Pour le coordonnateur résident du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, il faut accélérer le rythme du changement pour les femmes. Philippe Poinceau ne manque pas toutefois de saluer les efforts du gouvernement. Nous encourageons les autorités ivoiriennes à poursuivre leurs efforts pour un meilleur accès des femmes aux opportunités économiques, pour l'amélioration des capacités des institutions concernées et dans la bonne orientation des investissements avec un accent particulier sur les besoins spécifiques des femmes. Le gouvernement, qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, annonce entre autres points pour cette année 10 milliards de francs CFA pour les IFEF. En ce qui concerne l'accès des femmes aux postes de décision, en particulier les mandats électifs, le chef de l'État a posé des actes majeurs. La présence à hauteur de 30% des femmes dans les conseils municipaux et régionaux en est une illustration. Des mots soutenus par le Premier ministre Robert Beugré-Mambé qui salue l'engagement de la Première Dame. Votre cœur a toujours milité pour servir les plus démunis, les veuves et les orphelins, les handicapés sociaux et psychologiques, ceux qui ont la fragilité et qui interpellent le cœur sensible. Vous êtes le résumé du regard compatissant, de la parole qui apaise et du sourire qui réconforte. Venu les bras chargés, l'épouse du président Alassane Ouattara fait d'importants dons d'une valeur de 350 millions de francs CFA en équipement, dont des ambulances, du matériel médical, des congélateurs et autres broyeuses de manioc, ainsi que 13 millions de francs CFA en espèces. Invitée au pupitre, elle rappelle les motivations de sa vision pour le FAFSI. J'ai initié depuis 2012, avec l'aide de mon cher époux,
mon chéri. Le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire pour apporter un soutien efficace à l'autonomisation et à la formation de nos sœurs à l'échelle nationale. Ce fonds, qui atteint aujourd'hui un capital de 26 milliards de francs CFA, permet à plus de 370 000 femmes d'être autonomes financièrement et de sortir à leur tour plus de 2 millions de personnes de la précarité. Je tiens à cet effet à remercier à nouveau le président de la République pour la confiance et le soutien qu'il nous accorde depuis toujours. Il est le premier avocat des femmes de Côte d'Ivoire et grâce à sa volonté et à ses actions, la situation des femmes s'améliore de jour en jour dans notre pays. Et pour les femmes de Songon, bonne nouvelle. Mes chères sœurs, aujourd'hui je vous emmène un capital additionnel de 200 millions de francs CFA que nous mettons à disposition des femmes de Songon afin de leur permettre le financement de plus d'activités génératrices de revenus. Je suis intimement convaincue que c'est ensemble que nous parviendrons à faire évoluer la question des droits de la femme, parce qu'ensemble, nous sommes plus fortes et capables de surmonter toutes les difficultés. La célébration a pris fin avec la remise symbolique des dons et chèques aux femmes de la commune. Notons qu'une délégation gabonaise a pris part à cet événement. Et justement parce que le couple présidentiel gabonais séjourne dans notre pays, la première dame gabonaise Zita Oligui Nguema accompagne justement son époux pour cette visite de travail et d'amitié. Et elle s'est rendue à l'hôpital mère-enfant de Bingerville pour s'imprégner du fonctionnement des services de gynécologie, de pédiatrie et d'oncologie. Carmel Dia pour le reportage. Zita Oligui Nguema, l'épouse du président de la transition au Gabon, séjourne à Abidjan depuis ce jeudi 11 avril 2024. Une visite qui va s'étendre jusqu'au 13 avril prochain. À son arrivée en terre ivoirienne, la première dame du Gabon s'est rendue à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Une visite qui a démarré par le service de pédiatrie de l'hôpital mère-enfant. Ensuite, le service de néonatologie, l'amphithéâtre qui permet aux étudiants en médecine de se spécialiser. Zita Oligui Nguema a aussi visité les urgences gynécologiques et le service d'oncologie pédiatrique avec les enfants atteints de cancer. La première dame du Gabon s'est entretenue avec le personnel en charge de l'établissement sanitaire. L'hôpital mère-enfant de Bingerville compte parmi les réalisations majeures de la fondation Children of Africa dans le secteur de la santé. Son ouverture a permis de rehausser le niveau de l'offre de soins dans la commune de Bingerville, mais surtout dans le district autonome d'Abidjan. En 2023, l'établissement sanitaire a été certifié par l'assistance publique des hôpitaux de Paris au niveau or quant à la qualité et la sécurité des soins. Nous sommes le 11 avril aujourd'hui et il y a 13 ans survenait la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Plus d'une décennie après, le pays renaît de ses cendres. Les Ivoiriens ont tourné cette page sombre de leur histoire pour amorcer le développement. Le président Alassane Ouattara et l'équipe gouvernementale travaillent au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Et bien, dans le dossier politique de ce 20h, la parole est donnée aux populations. Comment ont-elles réussi à passer le cap? Comment le pays s'est-il reconstitué après la crise post-électorale? La Côte d'Ivoire qui renaît de ses cendres, c'est le dossier politique réalisé par Michel Digri. « 21 mai 2011, investiture du président de la République Alassane Ouattara. Une cérémonie qui s'est tenue à Yamoussoukro après 5 longs mois de crise post-électorale dont le dénouement intervient le 11 avril 2011. Le chef de l'État qui hérite d'un pays avec une économie éprouvée par une dizaine d'années de crise militaro-politique dès sa prise de fonction engage la reconstruction du pays. En 2011, nous avions donc environ 6500 km de route goudronnée. Sur ces 6500, il y avait 4500 qui étaient entièrement dégradés. Depuis que le président est là, sur les 4500 dégradés,
On a réhabilité un peu plus de 2500, donc ils sont devenus donc des routes neuves. On a construit d'autres routes neuves et nous pensons que d'ici fin 2024, le réseau bitumé va passer donc de 6500 km en 2011 à peu près 9500. Ce sont des investissements globalement qui dépassent les 5000 milliards de fonds CFA. Infrastructures routières, sanitaires, universitaires, c'est tout le pays qui est en chantier. La Côte d'Ivoire est en marche avec également des infrastructures sportives de haut niveau. Le pays remporte la CAN 2023 après celle de 2015. Sous l'ère Alassane Ouattara, les fonctionnaires et agents de l'État ont retrouvé le sourire. Entre 2011 et 2021, 2162 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Dans cette même veine, en 2022, plusieurs mesures additionnelles à hauteur de 227 milliards de francs CFA ont été adoptées. Il s'agit entre autres de l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année payée au plus tard le 10 janvier de chaque année. Une trêve sociale allant de 2022 à 2027 a par ailleurs été signée entre les deux parties. Au plan diplomatique, la Côte d'Ivoire s'est repositionnée sur la scène internationale. Mon pays a décidé de se porter candidat à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. La Côte d'Ivoire, à travers cette candidature, entend partager avec les autres pays membres son expérience réussie du maintien de la paix et de la collaboration au sein des Nations Unies. En juin 2017, la Côte d'Ivoire est élue en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, 27 ans après son dernier passage au sein de cette instance. En prime, le pays assure en décembre 2018 la présidence du Conseil de sécurité. La réconciliation n'est pas en marge de la dynamique de reconstruction de la nation. Les exilés sont de retour au pays. Après leur procès à la Haye et leur acquittement par la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo et Blegoudé ont retrouvé leur pays et mènent leurs activités politiques. Au mois de février dernier, le président de la République donne un nouveau souffle au processus de réconciliation nationale. Une grâce présidentielle est accordée à 51 détenus pour des faits en rapport avec la crise post-électorale. Chacun doit faire son effort de réconciliation pour entrer dans le processus de réconciliation. C'est valable pour ceux qui sortent de prison, qui doivent apaiser leur cœur et puis accepter d'entrer dans le processus de réconciliation. La Côte d'Ivoire ne peut pas retomber dans une autre crise comme celle que nous avons connue en 2011, ni même en 2020. Nous devons avancer dans la paix et dans la stabilité. Et pour cela, la solution se trouve entre nos mains. Le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, nous montre bien qu'il est dans sa posture de père de la nation, garant de la cohésion sociale, de la réconciliation, de la fraternité. Il appartient désormais aux Ivoiriens de consolider tous ses acquis. Il a posé des actes forts. Qu'est-ce que chacun d'entre nous est capable de faire pour consolider cela? Pour que cela aille jusque dans tous les recoins de notre beau pays. Les Ivoiriens se pardonnent, se parlent. Le chef de l'État, qui à la faveur de ses discours à la nation, ne cesse d'appeler à l'union sacrée autour de la Côte d'Ivoire. Je vous invite à aborder l'avenir avec confiance et à unir nos forces pour bâtir ensemble la Côte d'Ivoire de demain. Une Côte d'Ivoire prospère et solidaire. Une Côte d'Ivoire prospère et solidaire. 13 ans après la crise post-électorale, le pays est résolument engagé sur la voie du développement sous le leadership du président de la République. Voilà, la Côte d'Ivoire qui renaît de ses cendres après la crise post-électorale de 2011. C'était le dossier politique réalisé pour vous
par Michel Digré de la rédaction de RTI 1. Voilà, la Côte d'Ivoire est au travail et notre pays rayonne sur la scène internationale. Justement, l'axe Yamoussoukro-Kiev se renforce. L'Ukraine a ouvert les portes de sa toute première représentation diplomatique dans notre pays. Une inauguration faite par le représentant spécial pour le Moyen-Orient et l'Afrique en présence du ministre délégué aux Affaires étrangères, Wotabuna Ouattara. Reportage réalisé par Sidonie Davila. L'Ukraine marque officiellement sa présence en Côte d'Ivoire. L'ouverture de sa toute première ambassade ce jeudi symbolise le début d'une collaboration renforcée entre les deux nations. C'est un moment très, très, très important. Nous avons perdu beaucoup de temps. C'est le moment qui est venu enfin pour rattraper le temps perdu. Vraiment de travailler avec une énergie double ou triple d'ici 3, maximum 5 ans. Le volume afin d'échanges commerciaux doit atteindre 350 ou bien 450 millions de dollars américains. La Côte d'Ivoire et l'Ukraine ont établi leurs relations diplomatiques depuis 1992. L'ambassade à Abidjan, symbole fort d'une coopération qui se veut plus concrète entre la Côte d'Ivoire et l'Ukraine. Le représentant spécial de l'Ukraine pour le Moyen-Orient et pour l'Afrique est venu spécialement pour l'inauguration de l'ambassade située à la Riviera Golf. Maxime Soub a exprimé sa gratitude au peuple ivoirien pour son soutien constant. L'Ukraine est enfin arrivée en Côte d'Ivoire. Elle est venue avec des remerciements pour l'hospitalité, avec des propositions de coopération étroites, avec la détermination d'approfondir le dialogue bilatéral à tous les niveaux et certainement avec une vision concrète de comment et de quoi enrichir notre interaction là où elle apportera le maximum de bénéfices à nos deux pays. Wotabuna Ouattara, le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, a réaffirmé à l'occasion l'engagement de son pays à approfondir les liens avec l'Ukraine. Je reste convaincu que cette nouvelle étape de notre relation diplomatique donnera un coup d'accélérateur à notre coopération au regard des énormes potentialités et des nombreux atouts dont disposent nos deux pays. Je voudrais saisir l'opportunité de cette cérémonie pour réitérer la fidélité de la Côte d'Ivoire au principe du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Notre pays souhaite la fin rapide de cette guerre ainsi que le retour de la paix dans cette région. Maxime Soub, le représentant spécial pour le Moyen-Orient et pour l'Afrique, dès son arrivée, a été reçu par le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, pour une séance de travail. Et les choses bougent aussi très bien au plan sanitaire dans notre pays. Le personnel des organisations internationales et des partenaires au développement présents en Côte d'Ivoire s'est fait enrôler à la couverture maladie universelle, CMU. La Banque mondiale est la première à donner l'exemple et sera suivie par l'OMS ainsi que par les autres institutions. Les ministres de la Santé et de la Protection sociale ont rappelé la nécessité de détenir cette carte, la carte CMU, comme nous le rapporte Didier Nguessan. Une carte d'assurance maladie, celle de la couverture maladie universelle, CMU, imprimée instantanément après l'enrôlement du requérant. Le bénéficiaire est un agent de la Banque mondiale en poste en Côte d'Ivoire. L'institution internationale fait bénéficier ainsi à son personnel des avantages de cet instrument de solidarité qui couvre 70% des frais de soins. Tous les pays qui ont pu se développer ont investi dans une ressource, ça s'appelle la ressource humaine. Et si tu n'as pas la qualité de santé, cette ressource humaine ne peut pas fonctionner. J'ai un personnel qui soit en bonne santé parce que ça veut dire que je peux délivrer les services. Donc en fait, c'est pas par charité, hein, on le fait aussi parce que ça nous aide. Les salariés de l'Organisation mondiale de la santé sont également concernés par l'opération, de même que l'ensemble des organisations internationales et des partenaires au développement. De quoi satisfaire les ministres en charge du déploiement de la CMU, qui envisagent de faire passer le nombre de bénéficiaires de 12 millions actuellement
à 20 millions d'ici fin 2024. Si la Banque mondiale s'enrôle, je pense que point n'est besoin de dire encore à nos compatriotes que la couverture maladie est une très, très, très bonne chose. Et je les invite à même dépasser la Banque mondiale en prenant encore d'assaut les centres d'enrôlement qui sont disséminés sur toute l'étendue du territoire national. Le réseau non seulement de soins s'élargit, mais également vous avez vu que les plateaux techniques s'améliorent et la compétence y est. Pendant la CAN, je pourrais citer cette période là où il y a eu près de 4000 consultants de nos hôpitaux, y compris les joueurs. On n'a pas eu besoin d'évacuer qui que ce soit. Ils ont été pris en charge non seulement dans les localités abritant donc la CAN, ça montre que le système donc s'améliore. À ce jour, 1778 établissements sanitaires publics prennent en charge les personnes enrôlées à la CMU. L'objectif du ministère de la Santé est d'étendre les soins à l'ensemble des 4000 hôpitaux et centres de santé publics. La formation est aussi au centre des priorités. Après une année de formation au métier des mines et BTP, bâtiments et travaux publics, 150 jeunes filles, dont 150 jeunes précisément, et puis nous avons 27 filles qui font partie de ces jeunes. Ils ont reçu leur diplôme après des formations reçues et l'initiative du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Cela entre dans le cadre de l'école de la deuxième chance. Boubaka Sila, Kades Godogo, le reportage. Après une année de formation qualifiante dans les filières des mines et du bâtiment, 150 jeunes, dont 24 filles, des départements de Dabakala et de Kachula, reçoivent leur certificat de qualification professionnelle et de fin d'apprentissage. Un enseignement gratuit alterné avec 25% de phase théorique et 75% de phase pratique en électricité, bâtiment, chaudronnerie, soudure, plomberie, maçonnerie et menuiserie. Il s'agit du projet Employabilité et Entrepreneuriat Lafigué, un programme initié par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans le cadre de l'école de la deuxième chance. Recevant leur parchemin, les bénéficiaires s'engagent à mettre à profit les connaissances acquises. Je voudrais exprimer notre reconnaissance à Monsieur le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour sa vision pour la jeunesse à travers l'école de la deuxième chance. Monsieur le ministre, nous vous promettons de saisir cette deuxième chance que vous nous offrez pour apporter notre contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Réussir l'adéquation formation-emploi en insérant le maximum de jeunes dans le tissu économique et social. C'est l'objectif affiché des partenaires de l'école de la deuxième chance. Nous avons voulu impliquer en amont de la construction de ce projet-là des jeunes des localités en les formant afin qu'ils puissent augmenter leurs chances d'avoir un emploi sur la mine, mais pas que sur la mine, ailleurs. Ce qui nous a motivés, c'est ça, c'est à la fois que le public et le privé, l'État et un grand groupe international se mettent ensemble pour accompagner la création d'emplois en Côte d'Ivoire. Le représentant du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage salue les bénéficiaires pour leur abnégation au travail lors de leur formation. Aujourd'hui, ils sont dotés de compétences pour leur permettre de s'insérer durablement. Nous comptons sur eux, nous comptons sur cette jeunesse et que le développement du pays passe par la formation. L'école de la deuxième chance vise à former et faciliter l'insertion des jeunes diplômés sans emploi, déscolarisés ou non scolarisés en quête de qualification et d'insertion professionnelle. Le projet vise 1 million de bénéficiaires à l'horizon 2030 avec un objectif intermédiaire de 400 000 jeunes dans le cadre du programme social du gouvernement PSGOV 2 sur la période 2021-2024. Une mission de la Banque mondiale était sur le chantier du corridor Yopougon-Bengerville il y a quelques jours. Le représentant de la Banque mondiale, partenaire financé du projet de mobilité urbaine d'Abidjan, se dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Dangui Dangui, le reportage. Projet de mobilité urbaine d'Abidjan, PEMUA. Le vice-président exécutif de la MINGA, Multilateral Investissement Guarantee Agency de la Banque mondiale, partenaire financier du PEMUA, s'est rendu sur le terrain récemment pour voir l'état d'avancement des travaux.
Ce projet va transformer et améliorer la mobilité de millions de résidents d'Abidjan. Nous nous réjouissons à l'idée de pouvoir tirer toutes les connaissances et les expériences acquises dans d'autres projets au profit de ce BRT, mais également dans le cadre de la collaboration entre le groupe de la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire pour financer et promouvoir les infrastructures. Les travaux se déroulent comme prévu et devraient atteindre leur vitesse de croisière dans les mois à venir, assure le directeur général de l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, Amunga. Le projet avance bien. Vous avez vu que le rouage est terminé. Le BRT va véritablement démarrer ses travaux à partir de la fin avril, fin de ce mois, vous allez voir. Les travaux vont démarrer véritablement, ce qui est important. Au-delà du temps qu'on va gagner, c'est aussi en termes écologiques. Vous allez voir qu'on va économiser beaucoup de COD. Pratiquement, on a évalué à près de 100 000 COD qu'on pourrait économiser à l'horizon 2030, si le BRT se met en œuvre. Pour résoudre les problèmes de mobilité à Abidjan, le gouvernement privilégie le système de transport collectif pour relier les zones les plus peuplées aux zones d'emploi. D'où la mise en œuvre du projet de construction de la ligne 1 du métro Nord-Sud devant relier la commune d'Abobo à Port-Boué et la mise en place d'un corridor rapide de bus devant relier la commune de Yopougon à Benjerville. Fini le ramadan. Après un mois de jeûne, les fidèles musulmans ont célébré l'Eid el-Fitr hier mercredi 10 avril. Notez que du côté d'Agamé, le maire Farik Soumaoro et le ministre gouverneur du district d'Abidjan, Cissé Bakongo, ont prié à la mosquée du quartier d'Alas. La solidarité, la paix, le vivre ensemble ont été prônés par l'imam sur place, Serge Kolea. À la mosquée Kanté de Dallas, dans la commune d'Agamé, l'Aïd El-Fitr a réuni fidèles, guides religieux, autorités communales et gouverneurs du district d'Abidjan. Après un mois de pénitence et de piété, l'imam invoque les grâces d'Allah sur toute la communauté. Le guide religieux a fait des prières pour que tous reçoivent les mérites de ces 30 jours de privation. Le pardon, la tolérance, la paix et la cohésion sociale ont été prônés au cours de cette prière. L'islam, c'est la paix. Nous demandons à tous les musulmans de s'attacher au principe de l'islam. Et enfin, nous prions pour la Côte d'Ivoire et tous les musulmans. C'est des bénédictions à l'endroit d'abord du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Que Dieu lui donne longue vie, à la santé, afin qu'il puisse continuer l'œuvre immense qu'il a commencé pour le bonheur des Ivoiriens. Que la Côte d'Ivoire demeure en paix avec le président Alassane Ouattara à sa tête. 2025, c'est demain. Que toutes les bénédictions qui sont faites par nos imams dans toutes les mosquées soient exaucées par Allah et que Allah fasse en sorte que la Côte d'Ivoire demeure un pays de paix, un pays d'accueil, un pays d'hospitalité. Les fidèles se sont mutuellement souhaités des vœux de bonheur, de santé et de prospérité en ce jour de la fête du Ramadan. Voilà, l'heure était au recueillement à l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, a abrité une cérémonie d'hommage à Dagri Paul, musicologue. C'était l'ex-directeur de l'École nationale de musicologie. L'initiative est de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, de la culture et des diasporas africaines. Sais-je pas comme Didier Nguessan. Nous voici réunis ici et maintenant pour rendre un solennel et ultime hommage à notre très regretté Paul Dagri. Tâche difficile, tâche on ne peut plus périlleuse. Un hommage de l'ASCAD, Académie des arts, des sciences et de la culture d'Afrique et des diasporas africaines, à l'un de ses membres arraché à l'affection des siens le 2 mars dernier, professeur Paul Dagri, musicologue, ex-directeur de l'École nationale de musicologie. Un vibrant hommage avec la musique, des extraits de la pensée du défunt. Paul était un musicologue connu et reconnu. Au plan de l'ASCAD, je voudrais témoigner de ce que
Paul fait partie. Témoignages, anecdotes sur les pans de la grande carrière et de la vie du professeur Paul Dagry par les membres de l'Académie. Il a été toujours un créateur qu'un chercheur. Il a opté pour la scientifisation d'une discipline qu'on considère comme banale, c'est la musique. Passer la musique à la musicologie. C'est par une remise de portrait à la famille éplorée et un piquet d'honneur que s'est achevée cette cérémonie d'hommage qui a eu pour cadre la salle Biti Moreau de l'INSAC. Le reportage de Serge Pacom Didi était commenté pour vous par Sephora Zegui. Les handballeuses camerounaises ne participeront pas aux JO de Paris. La raison, elles n'ont pas pu obtenir leur visa. L'équipe nationale de handball féminin se voit ainsi éliminée de cette compétition internationale au profit de la Grande-Bretagne. Les Lions, indomptables, devraient participer à partir d'aujourd'hui au tournoi des qualifications olympiques en Hongrie, mais pour faute de visa, elles n'ont pas pu s'envoler vers ce pays de l'Europe. Fin de ce 20h, je vous retrouve demain à la même heure, sur ce même plateau, sur la même chaîne, avec le même bonheur.